Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Aujourd'hui on va se retrouver pour une info de taille, c'est tout simplement la date de sortie du zombie. Elle a été officialisée et bon nombre d'entre vous vont être surpris. Donc on peut voir la petite intro pour le zombie qui a été présentée et juste dessus on peut voir la date du 22 novembre 2019. On est sur le Twitter officiel de Call of Duty Mobile, donc la date sera réelle. C'est un petit peu bizarre qu'ils n'ont pas sorti pour la saison 2, surtout que ça avait été annoncé tel quel. Concernant le mode zombie, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Dans la bêta test que l'on a pu voir avec le serveur développeur, il y a déjà les modes boss. Tout simplement survivre à une vague de zombies et à la fin un petit boss à tuer. Évidemment le mode survie sera de la partie et certainement que le mode mission arrivera plus tard. Voilà pour toutes les infos sur nos zombies. Ensuite on peut voir la map Summit qui va arriver. J'en ai fait une petite vidéo pour tester la map, toujours pareil avec le serveur développeur. Par contre là il n'y a pas de date qui a été définie. Donc est-ce que ça va sortir avec la mise à jour du 22 novembre ou est-ce que ça va être pour la saison 2? Moi je pense que ça sera plus pour la saison 2, comme ça va redonner un petit souffle pour le multijoueur. Et pourquoi pas tout simplement pour la saison 2 ajouter des maps du zombie. Vu qu'ils considèrent que le zombie sortira à la saison 1, derrière ça donnerait que des nouvelles maps pour la saison 2, avec un nouveau pass de combat aussi, de nouvelles armes aussi, de nouveaux skins aussi. D'autres maps vont arriver, peut-être Cargaison, peut-être Rust, peut-être Iris, on verra bien. La hype est là, le suspense est là, et c'est toujours bon d'être dans la surprise. Voilà pour toutes les infos sur Call of Mobile, avec les mises à jour qui vont arriver. Maintenant, je vais faire un petit secret sur le mode zombie. On est sur la version développeur en bêta test. Donc comme d'habitude, j'ai le mode zombie et la saison 2 en avance. Pour ce petit secret que je vais vous dévoiler, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires si vous kiffez les easter eggs. Donc on va directement dans le mode zombie. Il faut mettre le mode Heroic Raid Mode, ça ne marche pas en normal raid. Une fois que cela est fait, vous pensez bien à décocher Field Squad pour être en solo sur la map. Nous voilà donc sur la petite map. Ce que l'on va devoir faire, c'est construire énormément de planchers pour avoir quelques sous. Et comme ça, on va pouvoir débloquer la petite porte qui nous permet d'aller chercher les quelques accessoires pour faire l'ascenseur. Très important, il va falloir prendre la AK-74U, du moins pour gérer les premières vagues. Et on va tout faire lors de la première vague. Comme ça, on aura juste à se consacrer sur la survie jusqu'au round 13. Donc on va en profiter, on va acheter la AK-74U. Quand c'est fait, pensez bien à ouvrir cette porte. Très importante. Une fois que cela est fait, vous descendez au niveau inférieur. Pensez à prendre cette première roue. Elle se trouve à ce niveau-là. Je vous laisse un petit peu visualiser. Voilà. Donc du coup, elle est là. Donc on va mettre le premier accessoire. Le deuxième est juste là, sur la petite table. Vous allez le récupérer aussi. Vous remontez et vous allez activer l'ascenseur. Et du coup, les étapes qu'il va avoir à faire sont simples, mais il va falloir les faire entièrement. Donc vous êtes au souterrain. Et il vous faut atterrir sur cette petite pièce. Là où il y a les petits cocons jaunes et les petites plantes. Une fois que vous êtes ici, vous détruisez tous les œufs que vous voyez. Vous avez un petit bruit lorsque vous avez réussi à détruire l'œuf. Vous vous assurez d'avoir détruit bien tous les œufs. Quand c'est fait, il va falloir activer une petite machine qui se trouve dans cette petite pièce. Je vous laisse un petit peu vous repérer. Si tout est bien fait avec les œufs, vous devrez voir un petit bouton rouge s'allumer. Quand c'est fait, vous appuyez sur le bouton start. Un petit chargement qui se fait. Et donc du coup, tout est OK. Normalement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'autre boss et donc le easter egg qui est débloqué. Mission suivante, survivre jusqu'au round 13. Et ça, ça va dépendre de vous. Les manches les plus dures sont toutes les 5 manches. Quand il y a les loups ou tout autre zombie, on va dire, de plus haut niveau. Ce que je vous recommande, c'est d'aller dans cette petite pièce. Là où il y a l'AK-117. Je vous montre sur la carte, c'est en haut à droite. A few moments later. Et là, si tout se passe bien, le logo d'en haut, Abomination, va changer avec le prochain boss qui normalement ressemble à Groot. On va tuer le dernier zombie vers ici pour maxer notre stuff qui nous reste. Et voilà, on peut voir également donc en haut, ça s'est transformé en Juboko. Le fameux Groot. Les balles, ça sert à rien d'aller en acheter. C'est illimité face au boss. Ok, donc encore 13 secondes et ça va nous TP face au boss mystérieux. Donc ça nous fait la belle petite cinématique avec le boss qui est changé. Je tiens à rappeler qu'on a eu 3 apparitions, donc on va au moins essayer de le tuer. Ça serait un petit peu bête avec la date du zombie qui est là, avec la nouvelle map Summit qui est là, avec le easter egg que je vous ai montré, de pas remporter la game. Oh là là, il a l'air énervé en plus. Allez, on prend la AK-117 direct. On s'écarte et je pense qu'il faut le tirer au niveau des yeux. Du moins, on voit des petits trucs bleus. Oh là, il m'a mis un bon petit coup. Laisse-moi récupérer ma vie, s'il te plaît. On recharge. On tue les sous-fifres qui pourraient nous gêner de temps à autre. Ah ouais, mais les sous-fifres qui leur font beaucoup de balles, mine de rien. Je pense qu'il doit invoquer des armes, vu comment il est. Aïe, on va mettre le petit coup, voilà, comme d'hab. J'ai pas pensé à prendre un petit jeton avec le distributeur, j'aurais peut-être dû. Bon, on va lui sortir de bons dégâts, là. Ok, le bon chargeur. What? En un coup? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc en gros, je vais devoir tirer, me barrer, tirer, me barrer. J'ai compris. Comme maintenant. Faut pas que je sois trop gourmand. On va essayer de l'avoir à l'usure. De toute façon, pas trop le choix. Voilà, il faut jamais qu'il me rattrape. En espérant qu'il ne mette pas des trucs sur le sol.
qui nous immobilise. Pourquoi des cocktails Molotov? C'est pas moi qui les ai balancés. D'accord, ça doit venir tout seul. Ok, c'est bon. Je ne vais pas nous rattraper pour le moment. Ah, bah, ce petit truc bleu, il faut que je les détruise. Ça, ça peut faire des dégâts. Ils sont toujours là, les petits trucs bleus. Attends, je vais les tuer quand même. C'est bon, j'ai réussi à les tuer. Il nous a pas rattrapé, non. Allez. Ah ouais, d'accord. Il s'excite, le mec. Il arrête pas de taper. Tu te calmes, tu te calmes. Le mec, il arrête pas de taper, quoi. À quel moment tu le butes? Non, mais ça va être tendu à le buter en solo. Allez, vas-y. Prends des bons dégâts comme ça et je me casse. Heureusement que j'avais 3 réapparitions. Malgré que j'en ai déjà utilisé 2. Ah ouais, il va être focus que sur moi. Avec d'autres coéquipiers, forcément, il serait sur eux. Ok, il prend des dégâts suite au cocktail Molotov, c'est pas plus mal. Allez, des petits dégâts et on se casse. C'est bon, il est pas trop vers moi. Ah d'accord, il me balance ces petits trucs. Heureusement que j'ai réussi à tuer celui qui fonce droit sur moi là. Ah, c'est ces petits trucs là bleus qu'il faut dégager de temps à autre. C'est quoi? C'est ces chiffres? Ah non, non, il continue à taper, je cours. Pour ne pas avoir comme tout à l'heure. Il va certainement s'arrêter à un moment ou l'autre. Ou pas. On va profiter pour dégager les petits trucs bleus. Mais what? En un coup, ça tue, mais c'est abusé. Et ouais, en plus, il fonce droit sur moi. J'ai plus droit à l'erreur et il lui reste 3/4 de sa vie. J'ai pas de lance-roquette, y'a rien pour le toucher en plus. Allez, on va jouer de manière très très safe. J'espère juste qu'il n'y a pas balancé trop ces petits trucs bleus là qui sont vraiment très très embêtants. Il faudrait essayer d'aller le mec sur les flammes, mais bon. J'ai pas trop le temps de me tourner pour voir ce qu'il se trouve. En tout cas, il n'y a plus l'air d'avoir ces trucs bleus. Je sais pas s'il peut les invoquer de temps à autre. C'est définitivement parti. Ouais, bah écoute, on va gratter comme ça. Hein. C'est bon. Ouais, non, il y a bien les petits trucs bleus en plus. Faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours. Allez, ne t'arrête pas. Ah, en plus, il tape sans arrêt, là. J'ai pas intérêt à me retourner. Faut vraiment que j'arrive à détruire ces petits trucs bleus très, très embêtants. En plus, je les vois sur le radar, là, qui me pourchasse. Ah, je sais même pas si c'est ça. Allez, on sort des bons petits dégâts et on se casse. Il est toujours à côté de moi. Je peux pas le semer, hein. Il court aussi vite que moi alors que le mec, il est tout en ralenti. Mais bon, les pas qu'il doit te faire aussi. On sort encore un petit peu de dégâts. À la moitié de la vie à peine. Eh ben, j'espère pas que c'est une deuxième barre, la rouge. Si c'est une deuxième barre, c'est sûr que je suis mort. Déjà que la jaune, ça va être tendue. Bien lui viser la tête pour optimiser un maximum ses shoots. Il va pas tarder à invoquer de nouvelles choses, c'est obligé, ça peut pas être aussi simple. Ben tiens, voilà, je suis en train de le dire. Faut que je cours, faut que je cours. Ce petit truc bleu là. Non, faut que je cours. Allez, allez. Ah, il continue à taper dans le vide. C'est bon, j'espère que ces petits trucs bleus sont plus là. Si, si, ils sont toujours là, je les vois sur la carte. Mais attends, il me reste 4 minutes pour le déglinguer, sinon je suis mort. Ça va redémarrer en haut à gauche. Ouais, ouais, en plus de ça, si je dois accélérer le temps, ça va être chaud. Ouais, écoute, je vais devoir aller vite. Hein. J'espère juste qu'il n'y a rien sur le sol. C'est bon, il faut faire de bons petits dégâts encore. Oh là. C'est bon, ouais, il y a encore un peu ce petit truc bleu. Aïe! C'est bon, encore 3 minutes 20. Bon, il n'y a pas le temps de me rattraper. C'est là où il faut que j'en profite. Il n'y a plus ce petit truc bleu, mais bon. Il ne s'arrête pas de taper. Si je mange ce coup-là, c'est mort. Ouais, exactement. C'est bon, ça va taper. What? Mais c'est passé quoi? Mais non, le seum! Ça
sérieux, il m'a touché d'où? Il y a quoi qui m'a touché? Genre c'est peut-être une onde de choc quand il a tapé, ça m'a mis sous le sol. Mais en plus de ça, j'étais pressé par le temps, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, j'aurais essayé de le tuer en solo. Ça a pas suffi, normalement il faut être 4, je tiens à le rappeler. Mais je me suis quand même pas mal débrouillé. J'espère que cette vidéo vous a plu, avec la date de sortie officielle, la nouvelle map summit qui arrive et le petit easter egg que je vous ai proposé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou!